Salut tout le monde, c'est la cinquième émission de l'ABCDR du son. Aujourd'hui, on a deux invités qui font partie, comme nous, un petit peu, hein, de la grande famille des journalistes de rap en France. Les deux invités, c'est qui, Nico, aujourd'hui? Alors, c'est Sindanou Kassongo, que vous connaissez peut-être pour Bouscapé notamment et pour Les Inrocks notamment. Et on a également Fred Musa, qui est connu plutôt pour la partie Planète Rap. Exactement, et si vous ne les connaissez pas encore, vous avez le droit. On a tout de suite un sujet de la voix la plus célèbre des Yvelines, Raphaël Dacrouz, qui va vous les présenter. C'est maintenant. Fred Musa et Sindanou Kassongo sont nos invités aujourd'hui, deux personnalités médiatiques du rap en France au profil complémentaire. Lorsque l'on parle du rap et des médias en France, Fred Musa est une évidence. Présentateur de Planète Rap depuis septembre 1996 sur Skyrock, Fred a vu passer la quasi-totalité du rap français en presque 20 ans d'existence de son émission. Les sessions live maintenant dans Planète Rap. Je porte un toast à la mort de l'industrie. Sortez les 8-6, on vient fêter la fin du disque. Écoutez. Ce rendez-vous quotidien complété par la nocturne chaque vendredi soir a fait la notoriété de Fred. Une réputation qui lui a permis de passer de la radio à la télévision. Planète Rap connaîtra à partir de 2006 des versions sur France 4 puis France O, tandis que Fred anime fréquemment des programmes autour des cultures urbaines comme Dance Street. Par son attache à Skyrock et ses activités, Fred est devenu malgré lui le symbole d'une médiatisation grand public du rap, avec ses défenseurs mais aussi ses détracteurs. Tu connais rien au son comme Fred de Sky. Black, j'ai la plume, je suis trop Sindanou Kassongo. Sindanou Kassongo, lui, a débuté par l'écrit. Celui qui se fait appeler Sind the New a été journaliste pour RER puis pour Rap Mag, deux magazines aujourd'hui disparus. Des titres dans lesquels il s'est affirmé comme un fin connaisseur du rap US. Ces dernières années, ce Belge expatrié en France multiplie les activités grâce à Internet, rédacteur d'un observatoire du rap sur le site des Inrecuptibles, essai sur la musique et la société sur son blog Le Black et la Plume, ou encore entretien avec des rappeurs américains sur Bouscapé. Si Fred Musa est avec Olivier Cachin au Mouloud Achour l'un des journalistes les plus connus lorsqu'il s'agit de rap, Sindanou Kassongo le deviendra peut-être bientôt. Mais attention à lui, Mehdi et Nico ne cachent pas à eux aussi leur ambition d'être les prochains Philippe Manœuvre du rap français. C'est pas mal, c'est bien, c'est, disons que ça, au moins ça fait le boulot. On est de retour pour la cinquième émission avec donc Fred Musa, comme vous l'avez vu dans le sujet, notre premier invité, et Sindanou Kassongo, deuxième invité, nos invités. Ex aequo. On ne va pas commencer à rentrer là-dedans. On ne va pas commencer à rentrer dans le clash tout de suite. Pas tout de suite. On va pas tout de suite. C'est prévu, mais on va attendre un peu. J'espère bien. On est là pour ça, de toute façon. Oui. Le sujet vous a présenté, notamment sur ce que vous faites aujourd'hui. On est un petit peu revenu sur votre parcours, mais pas tant que ça. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est aussi de savoir voilà, ce que vous avez fait pour en arriver là. Peut-être commencer avec toi, Fred. Comment est-ce qu'on devient Fred de Sky, c'est-à-dire une sorte de journaliste un petit peu extrêmement visible aujourd'hui. Moi, déjà, j'ai un problème sur le terme journaliste, parce que je ne me considère pas comme journaliste, parce que pour moi, journaliste, c'est les gens qui vont en investigation, qui vont aller chercher l'info, qui vont débusquer le petit truc. Moi, je me considère comme un animateur radio, j'essaie de le faire le mieux possible. Après, comment on le devient, je ne sais pas, moi, c'est une passion avant tout. Je suis un gamin qui, dès l'âge de 13-14 ans, a voulu faire de la radio. Voilà, donc j'ai essayé de tout faire pour faire de la radio, c'est ce que j'ai fait, j'ai eu de la chance. Après, ouais, y a le petit facteur chance qui fait qu'à un moment, t'es là au bon endroit, au bon moment, et qu'on te propose des choses. Mais c'est vrai que le terme journaliste, j'ai un peu de mal là-dessus, parce que je trouve qu'il est vachement galvaudé, c'est-à-dire qu'on est journaliste pour tout. Même le mec du 20h, c'est un journaliste. Non, pour moi, le journaliste, c'est le mec qui est sur le terrain, qui va chercher l'investigation. Donc je me considère pas, voilà, je suis animateur, je suis ambianceur d'émission, si on veut, mais journaliste, c'est un terme un peu plus noble pour moi. Mais quand tu fais des documentaires type Les Héritiers du Hip-Hop, ce genre de choses, tu vas un peu plus sur le terrain, t'interviews des gens. Vraiment, le terme journalisme, c'est un terme très fort pour moi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort, journaliste. Alors, on peut être journaliste, en effet, dans la presse spécialisée, dans la politique ou ce que tu veux, mais c'est vraiment un terme très fort que j'essaie pas d'utiliser à mon encontre. Ok, donc plutôt animateur radio. Oui, animateur, kiffeur, ambianceur, voilà. Bon, passionné avant tout. Passionné avant tout, voilà. Sindanou, est-ce que tu te considères comme un journaliste, toi? Je me considère comme un journaliste, ouais. Donc je viens de Belgique, comme c'est expliqué. Je fais mes études de journalisme là-bas. Et depuis l'âge de 13 ans, je suis tombé dans le hip-hop. Enfin, même plus jeune, avant, quand il y avait l'émission de Sydney. Je savais pas que c'était la danse, la culture. Je mettais juste les gants et je dansais. Ah, tu mettais des gants? Ah, bien sûr. D'ailleurs, tu vas nous faire une démonstration maintenant. Le genou, problème de genou. Putain, on n'a pas retrouvé les images, je suis super déçu. Merde. Et donc, après, je me suis replongé dedans par Public Enemy,
Puis je suis tombé sur le reportage d'Envoyé spécial sur NTM, là où j'ai découvert le rap français, où j'entendais à la télévision « Nique ta mère », je me suis dit « Waouh, ça doit être pas mal ». Donc du coup, parce que tout le monde m'a dit « Ouais, tu viens de Belgique, donc c'est Benny B », je dis « Non ». Et dédiqué. Parce que quand j'ai vu Benny B, je me disais « Ah non, c'est pas aussi bien que les gars qui disaient « Nique ta mère » en Envoyé spécial ». Bref, j'ai fait mes études de journalisme, et j'ai fini vers 2002. Et en France, je me disais, bon, allant aux États-Unis, je suis un peu, mon anglais n'est pas encore au point. Je me disais, en France, il y a un game, il y a des magazines, il y avait l'Arsenic, etc., tout qui explosait. Puis je me dis, bah, je vais venir en France. Et donc, j'ai rencontré des gens, on a monté un site à Sarcelles, là, qui s'appelait fmusic.com. Puis le site a coulé. Puis j'ai rencontré Anne-Valérie Atlan, qui m'a fait entrer à RER. RER a coulé. Et puis je suis parti. Grand drame de la presse rap en France. ABCDR va couler. On est solide là, on tient bien la baraque. Ah, voilà. Ça bouge et pas. Et puis après, j'ai fait Rap Mag, où j'ai fait un bon moment. Ça m'a permis de voyager. J'ai fait des reportages, comme on a vu là dans le truc. J'ai fait New Orleans une semaine, deux fois à LA, plusieurs fois à New York. Ça, c'est l'époque où il y avait de l'argent. Non, c'était l'éditeur qui a eu beaucoup de défauts, sauf un, il mettait vraiment de l'argent dans. Dans le magazine, donc il me donnait une semaine, il payait l'hôtel, il payait le vol. Par contre, il faut remplir 80% du mag. Donc, voilà. Ça va. Donc, une semaine à Nouvelle-Orléans, appeler les gens, etc. C'était vraiment mortel. Après, le magazine a coulé, comme d'habitude. j'ai fait une petite période de flottement. Et puis, mon camarade Fif de Bouscapé, que je connaissais depuis un moment, m'a proposé de rentrer au début, de faire des petites news et de faire des interviews d'Américains. Donc j'ai commencé avec Denzel Washington quand même. Et puis il m'a dit, bah écoute, ce serait bien que tu sois là full time, parce que nous on veut développer une partie US. Donc voilà, me voilà 3 ans après. En plus de Bouscapé, il y a une chronique que tu as de manière récurrente maintenant sur les arts incorruptibles, ouais. Qui s'appelle l'Observatoire du Rap Game, qu'on ouais. a également vu dans le sujet. On peut considérer que tu es une plume experte, en tout cas un fin connaisseur du rap. C'est pas mal. Mais est-ce que du coup, le revers de la médaille, est-ce que toi tu ne sens pas une certaine forme de responsabilité? Est-ce que tu as cette impression-là ou pas du tout? C'est-à-dire le côté je me dois de parler du rap de manière un petit peu. Non, pas spécialement parce que bon, déjà il y avait Pierre Sionkowski qui en parlait bien, il y a Thomas Blondeau qui en parlait bien aussi. Moi, quand on m'a proposé ça, c'était il y a 2 ans. C'est parti comme ça, on se connaissait un petit peu. Non, il n'y a pas de responsabilité particulière parce qu'on parle quand même de rap. Après, ma seule responsabilité, j'essaie de parler de tout. Donc du coup, je parle de Nicki Minaj, mais je parle aussi de rappeurs indés. J'essaie de creuser pour trouver chaque fois des rappeurs français, de province, qui font du bon boulot. Donc c'est juste ça. Ok, ça fait partie aussi de ta mission justement, à ton avis, de mettre de la lumière sur des gens bah, qui sont déjà exposés, mais également la mettre sur des gens qui le sont moins, qui sont en province ou qui sont des plus petits artistes. Ça fait partie un peu de ce que tu veux faire? Non, moi mon but c'est vraiment de donner un condensé de l'actualité hip-hop. Donc des fois je parle de bêtises comme Snoop qui rencontre John Kerry, mais je parle aussi de sujets sérieux comme... Rick Ross, quand il a eu ses problèmes avec la chanson avec Rocco, là... You and No. Voilà. Donc, non, pas de responsabilité particulière. C'est une vraie revue d'actualité voilà. du hip-hop en général. Fred, on l'a dit, tu es surtout connu pour Planet Rap. Mmh. Ça fait très longtemps que tu animes 96, ça. Ouais. Comment est-ce que toi, tu trouves encore là... Parce que parfois, en vieillissant, on s'intéresse moins au rap, en tout cas, moins à l'actualité quotidienne du rap. Tu reçois énormément de jeunes rappeurs français. Est-ce que tu trouves encore la motivation? Et est-ce qu'après autant d'années, 18, voilà, est-ce que ça t'intéresse toujours autant? Est-ce que tu as toujours autant la flamme? Oui, et oui. Je vais répondre à tes questions. Oui, parce que déjà, ça change chaque semaine, en fait. Je pense que si j'étais dans un truc où ça ne bouge pas chaque semaine, au bout de 18 ans, oui, tu serais lassé. Mais chaque semaine, il faut redémarrer avec parfois... Oui, évidemment, il y a des projets qui m'excitent plus que d'autres, ça c'est clair. Je ne vais pas dire le contraire. Mais après, c'est pour ça que j'aime pas utiliser le terme de journaliste, parce que moi, je suis animateur, je suis là pour présenter. C'est-à-dire que aux gens, je leur présente des choses. Après, au public, d'adhérer ou pas. Tu fais pas une chronique. Voilà, je fais pas une chronique. Il y a forcément des choses qui me touchent plus ou moins. Il y a des projets que je reçois chaque semaine qui me touchent pas, d'autres qui vont me toucher plus. Mais je suis pas là pour donner mes goûts. Parce que je suis sur un mass média qui est Skyrock, qui on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard, qui est parfois décrié. Mais en tout cas, qui réunit près de 4 millions de personnes par jour. 3,5, je pense. Oui, c'est vrai 7, qu'on a un peu perdu, tu as raison de le signaler. Mais on est en train de remonter. Donc
voilà, je ne suis pas dans un truc très personnel. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un truc où voilà mes nouveautés, mes coups de cœur, machin et tout. Je suis là pour présenter des projets et j'essaie de faire le mieux possible, avec parfois des améliorations, des choses qui bougent, etc. Mais j'ai pas ce côté, parce que moi, avant tout, vraiment, même quand le matin j'ai du mal à me réveiller, je me dis, mais attends, mec, t'es un gamin, quoi. À 14-15 piges, je voulais faire de la radio. C'est-à-dire que. Être à Skyrock, c'est inespéré. Moi, je me disais, je vais être dans une petite radio locale, une radio associative. J'ai commencé par là, comme plein de gens. Et là, je suis sur un réseau national qui est le troisième réseau musical, en attendant de reprendre la deuxième place, peut-être la première par la suite. Mais en tout cas, voilà, je suis sur un réseau musical qui pèse, entre guillemets, où il y a du monde qui écoute. Donc, tu vois, c'est une vraie passion. Et puis, c'est surtout, j'arrive à vivre de ma passion au bout de 18 ans. Enfin, donc, je me réveille le matin toujours comme un gamin. En fait, voilà. Ce qu'on se dit, c'est que tu te fais le relais. En tout cas, de ce qui est proposé. Voilà. Et à la limite, si tu veux donner ton avis, si tu le donnes ailleurs, quoi, finalement, si je comprends bien. Ouais, bien sûr, parce qu'il y a un moment, pour moi, c'est une règle de base. Quand j'ai appris la radio, on m'a toujours dit, voilà, tu balances des sons, ou alors tu parles, tu fais une émission de talk, mais il faut intéresser les gens, il faut intéresser un maximum de personnes. Après, les gens choisiront ce que tu dis, ils aimeront pas, ce que tu proposeras. Ils aimeront pas, mais c'est pas à toi de donner ton avis. Donc peut-être que je suis un peu old school, peut-être qu'en effet, maintenant, c'est vrai que c'est toujours bien le côté buzz et clashé, machin, enfin tu vois, tout ce truc-là qui fait qu'Internet a permis ça aussi. Et c'est tant mieux, hein, quelque part. C'est aussi une évolution logique des choses. Mais moi, je suis pas dans ce rôle-là. Alors justement, tu as une belle perche, t'étais avec Lafouine tout à l'heure. Ouais. Lafouine, ton avis? Ah bah Lafouine, moi, Lafouine, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, vraiment personnellement, parce qu'on a une histoire en commun. Il y a une histoire avec Max 209, qui était un concours qu'on a fait il y a une dizaine d'années, même un peu plus, si tu veux, où on avait révélé des artistes comme Lafouine, il y avait les amateurs, je me souviens de Lille Roubaix. Il y avait plein de gens autour de cette compile, donc déjà, il y avait des liens qui étaient forts. Et moi, Lafouine, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un très bon rappeur. Je trouve que musicalement, il a une super oreille, enfin... Et puis voilà, il révèle quand même des gens, Team BS, après on aime ou on n'aime pas, mais la petite Cindy, 18 ans, qui trouve chez Popstar, il fallait quand même la trouver et la manager sur ce projet, quoi. Sans aller jusque dans les clashs, mais on parle peut-être de Planet Rap, et je pense que ça intéressera Cindy à nous également. On l'a dit, Skyrock, ça reste aujourd'hui un des seuls gros médias rap. Des médias rap, il y en a énormément. Maintenant, je ne vais pas dire qu'ils pullulent, ça serait péjoratif, mais en tout cas, il y en a beaucoup sur Internet. Skyrock reste aujourd'hui le principal média. Et Planet Rap reste une grosse vitrine pour les artistes. Tu le disais, c'est une radio qui est décriée. L'émission, parfois, est décriée par certains rappeurs, en tout cas certains gens du mouvement. Mais normal, et tant mieux d'ailleurs. Normal, et notamment, je pense, parce que ça s'appelle Planet Rap, il y a parfois des invités qui ne sont pas des rappeurs qui sont invités. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Est-ce que toi, ça ne te pose pas un problème? Et je pense notamment, je ne sais pas, pour la... sans faire comment dire, le moraliste, quoi que ce soit, mais pour la jeune génération, appeler des choses par le terme de rap qui n'en sont absolument pas, est-ce que ça pose pas un petit souci quelque part? Bah déjà Skyrock. Déjà Skyrock, tu t'as fait sur le nom. Au moment où tu dis Skyrock, rock ou El Rock, si tu veux. Donc Planet Rap, oui, Planet Rap, c'est devenu une marque. Oui, c'est une marque, c'est un nom de marque. On peut recevoir en effet des gens, moi je me souviens d'avoir fait des Planet Rap, même avec Raled, donc qui était plus sur le rail. Fait, ouais. Et l'émission continue à s'appeler Planet Rap. On a reçu récemment Nawel Madani où on a fait un Planet Rap Def Jam. Bon, bah c'est le nom de l'émission. Voilà. Est-ce qu'il faut changer à chaque semaine, chaque fois de nom d'émission? À titre personnel, non, je ne pense pas. Maintenant, il y a des gens qui peuvent se dire, oui, en effet, le terme rap est galvaudé, machin et tout. Mais ça, c'est des trucs que j'entends depuis 18 ans. Mais tu sais, 18 ans, depuis qu'on a commencé, si tu veux, avec le slogan premier sur le rap. J'entends des trucs, d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que je pense qu'il y a des générations maintenant qui traitent Skyrock, qui ne connaissaient pas même il y a 18 ans, ou qui étaient à peine nés, si tu veux, et qui disent ouais, « c'était mieux avant !» Mais nous, avant, même il y a 18 ans, mais tu peux pas savoir quand à un moment on est parti sur le slogan premier sur le rap, ce qu'on s'est pris dans la gueule, si tu veux. Bon, bah, c'est comme ça, c'est un nom, il faut pouvoir l'assumer, je l'assume totalement. Sinanou, c'est une... parce que c'est une radio que tu vas écouter, Skyrock. Non. Pardon? C'est la minute clash. Là. Non, c'est même pas ça. C'est vous finissez l'émission. C'est que c'est une émission rap grand public. Donc, tu peux pas leur demander de passer MF Doom, etc. Du moins, pas le rap que j'écoute. Donc, je comprends, c'est juste pas pour moi. Et comme il y a beaucoup de choix maintenant, tu peux écouter sur Internet des podcasts, des machins. Les gens qui s'acharnent comme ça sur Skyrock, comme il dit 18 ans après, c'est limite pathétique. Après, je comprends certains rappeurs qui ont des, qui sont dégoûtés parce qu'ils passent pas, c'est le seul média, etc. Mais il faut faire autre chose alors. Je
Non, non mais bien sûr, mais il a raison. Il y a un moment, voilà, je pense qu'en tout cas, tu as une telle liberté, aussi bien sur la bande FM que sur maintenant le net, évidemment, pour trouver ce qui te correspond. Voilà, pour trouver des sons qui te correspondent, des artistes qui te correspondent. À un moment, t'aimes pas Sky, bah, tu vas ailleurs. Et je le problème, justement, c'est que pas que Skyrock soit justement le seul très gros média. Mais c'est aussi le vrai problème, mais c'est ce que je dis aussi aux gens. Il y a un moment, très bien, vous nous critiquez très bien, mais faites-le. Faites-le. Non, mais attends, moi je me souviens de discussion. Quand on est parti sur slogan premier sur le rap, j'avais un titre honorifique à l'époque de coordinateur d'antenne où j'allais rencontrer les annonceurs pub, donc les grosses agences de pub, pour leur expliquer le format, ce qu'on faisait, etc. Et je me retrouvais face à des gens, si tu veux, donc dans le milieu publicitaire où les mecs... Où je me souviens très bien de mecs de grosses boîtes de distribution, de supermarchés, etc. Où les mecs me disaient, mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on investisse sur votre radio alors que c'est les mêmes qui viennent piller nos magasins ? Non mais c'était il y a 15 ans. Donc t'es là, tu dis au revoir monsieur, et tu te casses. Non mais tu vois ce que je veux dire? Donc oui, t'as constamment ce problème, si tu veux. T'as un problème en effet avec le terme rap, t'as un problème avec plein de choses. Bon bah voilà, on est parti là-dessus, je pense qu'on le fait. Alors on a certainement des défauts, beaucoup de défauts, mais on a aussi des qualités. Et puis si on n'avait pas de qualité, je pense qu'on réunirait pas, en effet, 3,5 millions et parfois avec des points de 4 millions d'auditeurs par jour. Est-ce que justement, parce qu'on vient d'en parler, on dit qu'il y a, bon, Skyrock, ça reste le seul gros média rap, mais c'est peut-être plus tout à fait vrai, il y a beaucoup d'autres médias qui sont en train de naître. Et tant mieux. Absolument, je pense à un média comme Bouscapé aujourd'hui, que tu connais bien, Sine Danou, qui, même si on n'est pas au niveau de Skyrock, qui est quand même devenu un gros média, un média incontournable. On va utiliser un grand mot, mais est-ce que c'est pas aussi Bouscapé et d'autres webzines, d'autres médias qui peuvent se lancer, est-ce que c'est pas une sorte de contre-pouvoir à Skyrock, une sorte d'omniprésence de Sky qu'il y a eu pendant tant d'années? Non, contre-pouvoir à Sky, non. Mais pour moi, c'est une étape, après, excuse-moi, mais pour moi c'est une étape. T'as d'abord l'étape web, que fait très bien Bouscapé depuis des années. Révéler des gens, des nouveaux talents, aller les voir un petit peu, avec aussi maintenant un peu plus d'interviews en profondeur avec des gens déjà plus reconnus dans le milieu du cinéma ou du rap. Ou sport même. Et puis t'as le média radio et après t'as aussi le média télé. C'est-à-dire que pour moi il y a des étapes. T'as des étapes à franchir au fur et à mesure. Pardon. Et puis même dans les radios, t'as Skyrock et puis t'as Énergie, puis t'as après t'as Europe 1, puis t'as France Inter. Donc c'est juste que pour les. Comme c'est la seule radio rap. Elle concentre toutes les attentions. C'est ça le souci. Il faudrait, dans le meilleur des mondes, qu'il y ait deux radios. Pour revenir un tout petit peu sur Bouscapé, est-ce que tu as une idée précise de l'audience de Bouscapé? Parce que j'ai vu différents chiffres. Non, je ne les ai pas en tête, mais on est, en médiamétrie, on est 10e. Et on est très bien classé. On est vraiment très bien classé. J'ai eu la chance de voir, pour le coup, avec Fif et avec son pote à l'époque qui s'appelait Shine, vous avez monté un site qui s'appelait ainogangsta.fr, qui est un peu l'historique il y a une dizaine d'années, et puis voir comment ils ont bossé, comment Fif ensuite a monté son histoire. Bravo, mais c'est dément. Il faut aussi, de temps en temps, le truc, c'est qu'il faut aussi saluer. On est trop aussi dans un pays où constamment t'as de l'aigreur. Mais attends, t'as des mecs qui sont. Excuse-moi du terme, mais issu de la diversité, on est constamment dans ce discours machin et mais tout. Il est belge, c'est pour ça que tu dis ça, parce qu'il est belge. Oui, bien sûr, parce qu'il est belge. Non mais voilà, parce qu'on est constamment dans ce discours. Moi, ça m'insupporte en général de ce discours. Mais bon, en l'occurrence, ça peut parler à des gens. Mais voilà, c'est des gens qui viennent de pratiquement rien, qui étaient dans leur quartier, si tu veux, et qui ont monté quand même quelque chose où il y a. D'incontournable. Voilà, où il y a un côté incontournable, où on vient chercher de l'info, on vient chercher de la vidéo, on vient. Il faut quand même aussi de temps en temps dire bravo, quoi. Dire bravo, le taf a été. Tu vois, c'est quand même hallucinant. Fif, Ahmad et Alexis, le master, ils ont fait vraiment un énorme boulot. Parce que là, on est 7 salariés, avec des autres qui sont des stagiaires, etc. Mais moi, je peux dire, je travaille à plein temps chez Bouscapé. Il y a une vraie couche de paye et écrit Bouscapé, tu vois. Donc c'est ouf. C'est ouf. C'est quoi la ligne éditoriale de Bouscapé? S'il y en a une. S'il y en a une. Parce qu'on a l'impression qu'il y a différents contributeurs avec des goûts différents, c'est ce qu'on ressent. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une partie foot, maintenant, depuis un an ou deux. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ils sont à deux à bosser dessus. Ils sont dans les résultats, c'est souvent les gros clubs, hein, PSG, OM, etc. Et c'est, comment dire, c'est démocratiser le foot. Le foot, pas pour les gros fans qui lisent évidemment l'équipe, mais pour le gars qui vient un peu grappiller des infos. Moi, je m'occupe du rap US, je parle un peu de tout.
Tu vois, là, j'ai posté un truc sur Rock Marciano, je mets du R&B, je mets ma Vado, évidemment, je mets les Rick Ross, les 50, etc. Et j'essaie aussi de chercher... J'ai vu Eminem, d'ailleurs, avec la couve de voilà, magazine. Jimmy Iovine. Ouais, Jimmy Iovine et Dr. Dre. Ouais. Voilà. Et après, ça peut aussi être Lil Kim qui est enceinte, Nicki Minaj qui poste une petite vidéo. Enfin, il y a de tout. C'est une sorte de complément à ce que tu fais par ailleurs sur les Arocs, finalement. Exactement. C'est une revue d'actualité. Exactement. Sauf que là, c'est tous les jours. Ouais, d'accord. Après, pour le rap français, ils sont encore très sur le gros rap, le mainstream, on va dire. C'est Booba, Rof, Soprano, machin. Alors ces derniers temps, ils essaient un peu de creuser dans la nouvelle scène, entre guillemets. Il y a beaucoup de Dean Burbigo, beaucoup d'Alpha One. Ça commence à arriver aussi Némir. On est en train d'essayer d'équilibrer, on va dire, le rap français. Parce que comme les plus gros ne sont pas très productifs, mais sont restent populaires, et les jeunes sont très productifs et pas populaires, ils sont en train d'essayer d'équilibrer, de voir un peu ce qui plaît ou pas. Parce que c'est aussi pas le rythme du web, tout simplement, il y a tellement de trucs qui sortent très régulièrement qu'il voilà. faut aussi nourrir ton site et nourrir d'actualité. Exactement. Et relayer tout ça, j'imagine. Ouais. Mais on en parlait avec Fif dernièrement, et il me disait, bah, heureusement qu'il y a du rap américain, et du cinéma, et du sport, parce que si je devais juste compter sur le rap français, je serais cuit. On y reviendra après sur les médias rap US et donc sur le rap américain, sur cette espèce de surproductivité des rappeurs carrés qui fait qu'il y a toujours énormément de choses à dire. Question forcément un peu polémique, mais qui vous concerne tous les deux. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, sur ton blog, tu avais fait une lettre à Fred. Sur Akhenaton. Exact, je sais, oui, exact, ouais, c'est ça. Mais en filigrane, il y avait une question, c'était finalement je crois une question qui était posée, c'était est-ce que passer sur Skyrock, c'était payant ou pas. Enfin, il y avait ce problème-là qui était levé. C'est une grande question. Voilà, il y a plein de rumeurs hein, fondées ou infondées sur Skyrock, mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il y en a également sur Boost KP maintenant. Je suis arrivé avec ma Jaguar et mon chauffeur. C'est vrai, ça c'est important de le dire. Après 18 ans de Planète Rap, j'ai ma Jaguar et mon chauffeur. C'est de bonne guerre en même temps, ça fait 18 ans, c'est normal. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'aujourd'hui, on a également ce type de rumeurs sur Boost KP. Voilà, il y a énormément de gens sur Internet ou de rappeurs un peu plus underground. Ouais. Tu viens de dire, parce qu'il parle plutôt des gros rappeurs, mais on a eu également de rumeurs aussi sur le fait que c'était payant pour passer sur Bouscapé. Ouais. C'est vrai ou pas ? Alors, moi, je ne gère pas l'économie de Bouscapé. Mais de ce que je sais, d'ailleurs, non. Je fais un petit rewind. Je vais prendre un exemple d'un rappeur belge que je ne connais pas, qui s'appelle Gandhi. Chaque fois qu'il leur envoie un son, ils sont tous contents. Ah, Mortel, il a sorti un nouveau son et ils le mettent. Donc je ne vois pas de virement, d'argent, etc. Mais ensuite, évidemment, quand ils ont affaire à des artistes qui sont en major, c'est normal qu'ils appellent le label pour dire bah, il faut nous prendre un habillage, truc. Parce que c'est de ça que Boost KP vit. Tout à fait. Parce qu'il y avait des choses comme quoi on disait. Mais le truc. On te donne 500 euros, on te joue, non ? Non, parce qu'on disait que Boost KP tapait plutôt sur les plus faibles, entre guillemets, et que parfois, quand on était un petit rappeur qui n'avait pas forcément beaucoup d'argent, c'était plus compliqué de passer que pour un rappeur. Non, mais c'est important de le dire. L'exemple de Gandhi, c'est ça. Ouais. J'étais là au bureau, ils ont reçu le clip et ils l'ont mis. Ok. Donc voilà. Ah, c'est mon tour ? C'est ton tour. Non, mais évidemment, moi j'ai entendu des sommes hallucinantes, Planète Rap 15 000, 10 000, voire parfois 20 000. Mais non, non. La réalité, c'est qu'à un moment, Planète Rap et honnêtement demander aux artistes, j'aimerais bien avoir un moment un artiste qui dise oui j'ai dû payer pour Planète Rap, j'aimerais bien le rencontrer, parce que parfois on me dit oui mais il me l'a dit mais il veut pas apparaître, il est en off, machin. Qui ? Personne ne paye pour Planète Rap. Il y a un moment c'est le choix de Laurent Bounot qui est directeur général des programmes qui dit voilà on fait Planète Rap, après on en parle ensemble, on discute telle semaine et tout etc. Alors évidemment tout comme ce que tu nous disais à l'instant, si tu veux. Oui, évidemment, ce que va dire Laurent Bounot va dire « Bon, on fait Planète Rap cette semaine, investissez, prenez du marketing, mais vous n'êtes pas obligé. » Il y a un moment, ça n'enlèvera pas. Si vous ne prenez pas le marketing, on l'a fait dernièrement encore avec XLMC qui est venu, il n'a pas pris de campagne de pub, mais il a fait quand même une semaine dans Planète Rap. Après, ce que va dire Laurent, parce qu'évidemment, il est sur une radio commerciale, donc si à un moment on dit « Voilà, si vous voulez impacter encore plus, prenez de l'espace pub. »
Donc c'est peut-être pour ça la confusion, si tu veux. Mais personne ne t'oblige avec un flingue sur la tempe en disant « Tu veux faire Planète Rap ? Tiens, il faut que tu mettes tant. » C'est faux. Et d'ailleurs, pour moi, on est encore plus clean qu'à une époque que tu as connue d'ailleurs avec les radicales RER, où l'affiche, où les pages, où la couverture était payante. Non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que l'affiche, la couverture était payante. C'était un deal. Tu voulais la couverture, il fallait la payer. Planète Rap, non, il ne faut pas payer. Le temps passe, donc on va faire... Le temps passe. Le temps passe trop vite, choses ont changé. Exact, oui, c'est mieux, je préfère ta référence que la mienne. On va passer sur un sujet sur les médias américains, histoire de rebondir un petit peu, voir ce que vous en pensez, voir également la diversité des médias rap américains. On regarde ça tout de suite, c'est comme d'habitude un sujet de Raphaël Dacruz. Quand on parle des médias et du rap aux États-Unis, on pense d'abord à sa presse. En presque 30 ans, les kiosques américains ont connu une vingtaine de titres, dont deux très influents. Créé en 1988, The Source est devenu célèbre pour ses notations d'albums, les fameux 5 Mics, et pour sa rubrique Unsigned Hype, qui a découvert des artistes comme Biggie, Eminem ou DMX. Après 10 ans de conquête, le magazine a trouvé un concurrent de poids en 1997 avec XXL ou Double XL, comme disent les Quinri. Le titre a répondu à The Source avec sa notation de S à XXL et sa liste annuelle de freshmen depuis 2007. Autre média mais même rivalité, après avoir diffusé les premiers clips de rap au milieu des années 80, la chaîne musicale MTV lance Yo MTV Raps en 1988, une émission devenue culte avec ses avant-premières de clips, ses interviews et ses lives. Une formule rapidement reprise par BET en 1989 avec Rap City. Si la chaîne des musiques noires américaines a de nombreux programmes consacrés au rap, Rap City a été sans conteste l'une des plus importantes avec ses fameux freestyles. Côté radio, l'aspect local joue un rôle important outre-Atlantique, que ce soit à New York avec Hot 97, KML 106 à San Francisco ou Power 106 à Los Angeles et bien d'autres stations, les auditeurs américains profitent d'un réseau FM important. Depuis une dizaine d'années, ces radios sont concurrencées par des stations par satellite, notamment Shade 45, radio lancée par Eminem en 2004. Point commun de toutes ces fréquences, elles ont peu à peu investi Internet avec des versions filmées de leurs programmes, dont certaines ont fait le tour du web, comme celle de Kanye West chez Sway. Do it yourself. How, Sway? Take a few steps back to go. You ain't got the answers, man. You ain't got the answers. Comme pour tous les médias, le web a modifié la donne pour ceux du rap. Avec la multiplication des blogs et des sites indépendants, l'influence des magazines traditionnels a été ébranlée, tout comme l'exclusivité des radios et des chaînes dans la diffusion des morceaux et clips. Mais après l'explosion, on assiste de nouveau à l'émergence de vraies forces médiatiques. C'est le cas du site généraliste Complex, qui a créé un puissant réseau en absorbant des sites plus thématiques. Complex, mais aussi Pitchfork, The Fader ou Noisy, autant de sites qui proposent une couverture du rap à 360 degrés, avec de la vidéo, du son et du texte. L'avenir du média rap s'écrit, ou plutôt s'encode, aussi sur la toile. Alors merci Raphaël Dacruz pour ce sujet. Tu as dit beaucoup de choses, Raphaël, pour le coup. Beaucoup de médias, de différents types de médias. On a parlé du web, on a parlé de la radio, on a parlé de la télé. Commencez peut-être par toi, Sindanou. J'imagine que vu que tu es très spécialisé rap US, tu dois bouffer énormément de médias US. Qu'est-ce que tu regardes ? Là, maintenant, je regarde beaucoup le blog de Miss Info. Je regarde un site de Los Angeles, Rap Up, Hip Hop Wired. Après, je vais sur Rap Radar. Et quand je veux des trucs bien écrits, je vais souvent sur les blogs, quoi. J'écoute beaucoup de podcasts aussi. NPR, par exemple, non ? Non, le podcast de Comeback Jack. Ouais, bien sûr. Le podcast des animateurs de Hot 97, Juan Epstein. Tu vois, c'est des interviews de 45 minutes juste avec un artiste. Vraiment bien profond. C'est vraiment... Toi, Fred, tu suis régulièrement la presse aux États-Unis ? J'imagine que oui. Oui et non. En fait, non, je suis pas très voilà, je lis des trucs qu'on m'envoie, si tu veux, mais je suis pas dans la recherche effective de ce qui se passe aux États-Unis, parce que je trouve que, pour le coup, maintenant, en France, on parlait souvent de cet écart qu'il y avait avec les États-Unis de 10, 15 ans d'avance, etc. Et je trouve que c'est vraiment resserré. Même au niveau des productions, d'ailleurs, ce qui est assez marrant,
quand même constaté, tu as beaucoup de producteurs français maintenant qui partent aux États-Unis pour produire. Le web, c'est ça la magie du web. Mais c'est ça, tu vois, donc oui, bien sûr, il y a des trucs que je reçois, mais je ne suis pas aussi passionné. Moi, je suis avant tout passionné de radio, donc évidemment, avant tout, oui, j'écoute toujours sur le web pour le coup. Enfin, en même temps, parfois, c'était compliqué parce qu'il y avait une loi aux États-Unis qui interdisait d'écouter les Hot 97, Power 106, mais tu arrives via des liens quand même à écouter, etc. Donc oui, j'écoute les radios hip-hop aux États-Unis, et puis nous, on a un consultant qui vient souvent à Skyrock qui nous amène des podcasts maintenant, mais qui nous apportait des CD à l'époque, des radios américaines sur ce qui se fait aux États-Unis. Mais je me souviens, moi, à Hot 97, une des toutes premières fois que je suis allé à New York, t'avais Dr. Dre qui faisait le morning de Hot 97 à l'époque, qui était assez fou, je comprenais rien. J'avais toujours été un peu une truffe en anglais, mais il y avait cette énergie. Hot 97, New York City. Enfin, t'avais un truc qui se passait, si tu veux, en termes de radio, et quand t'aimes la radio, tu disais, waouh. Les mecs te mettent une claque, quoi. Justement, chose que maintenant, pour le coup, je ressens moins. C'est peut-être très prétentieux de dire ça, mais je trouve que même au niveau radio, ce qui se passe en France, on a réussi à trouver un équilibre par rapport aux États-Unis. On est un peu moins en dessous. Tu penses à quoi, par exemple, hormis Skyrock, mais ça me parle. Enfin, mais Skyrock. Mais tu vois, par exemple, les radios aux États-Unis, c'est vrai que pour le coup, ils ont pris. Il y a les radios par satellite qui étaient évoquées dans le sujet, si tu veux, que nous on ne connaît pas encore en France. Pas vraiment, non. Pas vraiment d'ailleurs. Essayé avec Goom. Mais voilà, ça n'a pas impacté, si tu veux, parce que c'est pas le même marché, c'est pas la même chose. Et je trouve que nous, même en termes de radio, on peut leur donner aussi des leçons maintenant. Avant, t'écoutais les radios américaines, tu prenais beaucoup de leçons, ils avaient des jeux incroyables, des trucs. Maintenant, quand j'écoute les radios américaines, je suis pas bluffé, si tu veux, même en termes d'habillage. Moi, j'étais fou des habillages, t'avais des jingles à l'époque qui partaient partout. Enfin, bon, je suis désolé, c'est un peu technique, mais en tout cas, t'avais ça. Un peu moins maintenant. Est-ce que c'est des sources d'inspiration quand même pour vous, que ce soit dans la façon dont, dans l'écriture, la façon de vous mener aux interviews, dans la façon dont tu peux mener Planet Rap? Carrément. Moi, je te dis, j'ai commencé à acheter The Source en 96. Je regardais juste les images à l'époque. Hein. Et puis, je me suis pris la tête pour comprendre, pour lire. Ouais. Et du coup, tu vois, les journalistes, t'as des journalistes comme Chris X, qui est un vrai génie. Carlito Machete, Tariggs Morales qui faisait le Sign Hype. Ces gars-là, ils avaient une manière d'écrire et c'est ce que j'essayais de faire au début. Tu savais que c'était des gars qui connaissaient le hip-hop, qui écrivaient. Tu as des petites références à des chansons dans les tournures de phrases. Mmh. Ce que je dis à tout le monde, c'est qu'un gars comme Drucker, quand il fait une interview de Johnny, tu sens qu'ils sont du même monde et c'est agréable. Même si tu connais pas, tu comprends le truc, ou même l'infâme Zemmour. Il connaît, il a ses idées nauséabondes, mais quand il parle de politique, tu entends qu'il sait de quoi il parle. Du coup, quand il parle avec des hommes politiques, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui, ils parlent le même langage et ça fait un vrai échange. Et j'ai toujours admiré ça et c'est pour ça que j'ai beaucoup lu et je me suis beaucoup inspiré. Et j'essaye de faire ça dans les interviews, mais bon, quand tu fais une interview avec des artistes US ici, tu as 20 minutes, il est jet-lagué, il est fatigué. Donc il faut vraiment capter son attention, il faut avoir la bonne question. Donc soit ça marche directement, soit… Alors je suis sûr que tu as plein d'anecdotes à raconter, on va en parler un poil plus tard. Ok. Juste plutôt avoir ton avis également, Fred. Du coup, est-ce que l'animation un peu de Radio US est une inspiration pour toi ou pas? Oui, à une époque, oui, moins maintenant. Voilà, je trouve que… T'as trouvé ton style? Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'à une époque, tu te cherches toujours, tu dis, bon, bah, j'écoute beaucoup les autres, machin. Moi, à une époque, voilà, j'écoutais les trucs, j'essayais de prendre des intonations des animateurs déjà en France. Je me souviens, par exemple, d'Arthur, si tu veux, qui faisait le morning. Moi, j'ai des souvenirs aussi de Laurent Petit-Guillaume, des gens que j'aime beaucoup en radio. Ça vous parlera pas, mais mais voilà des gens en tout cas en Arthur, radio. Ça ne parle pas. Mais Laurent aussi un peu. Non, mais voilà des gens, oui, des gens qui forcément m'ont influencé, même si j'ai pas voulu les copier, mais qui m'ont influencé en termes de radio. Donc oui, t'as forcément quelques modèles. Maintenant, c'est vrai que sur la presse, je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est vrai que nous, en termes de presse, en tout cas ici en France, et pour cette culture hip-hop, t'as pas d'équivalent de ce qui peut se passer aux États-Unis, ça c'est sûr. T'as pas cet équivalent, ce décryptage qu'il peut y avoir aux États-Unis. T'en avais quelques-uns. Oui. T'avais Jean-Pierre Seck, oui, mais maintenant, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, t'as pas, comme ça peut toujours exister. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de presse rap au sens presse papier. De toute façon, on est plutôt sur du web. Mais il y a l'excellent site ABCDR.
Bien sûr. Hormis Bouscapé, évidemment, mais... Bien sûr. Mais non, mais c'est vrai, en tout cas, BCDR, voilà, il y a en tout cas un truc de fond sur les interviews où vous allez trouver la petite anecdote, le petit truc, même quand les mecs sont en studio. Moi, je me souviens d'une interview que vous avez fait où le mec va te raconter exactement le studio. Des choses, d'ailleurs, que j'essaye de faire moi aussi, parfois, pour le coup, dans l'émission, parce que moi, ce que j'aime, c'est ces moments de vie, si tu veux, c'est des moments où ils vont te raconter comment se fait un morceau, etc. Et parfois, peut-être que c'est l'antenne, peut-être que c'est le format de Skyrock qui fait qu'il les bloque, et que je peux retrouver sur ABCDR où t'as un moment, t'as l'historique du morceau, comment il était composé, dans quel état d'esprit ils étaient. Et ça, bravo à vous pour le taf. On a longtemps parlé de l'écart entre le rap américain et le rap français, aussi bien en termes de musique que de médias également. Tu as plus ou moins délivré un message d'espoir il y a quelques minutes en disant que cet écart avait peut-être tendance à se resserrer. Et on voit également à la télé, je pense à une émission comme le Before par exemple, où il y a quand même pas mal de rap, qu'il soit direct comme Greg Fritz ou indirect dans les références. Il y a JP de la Cellule qui anime une rubrique. Est-ce que vous avez l'impression que cet écart-là, justement, il se resserre et qu'on parle différemment, sinon mieux, du rap aujourd'hui à la télé et plus globalement dans les médias? On vient de tellement loin et de tellement bas. Que oui, bon, une petite capsule par-ci, par-là, machin, mais quand tu vois la victoire de la musique, tu dis, bon, on est encore très loin du compte. Quand tu parles de victoire de la musique, tu parles de quoi? C'est pas mal, 995. Non, mais outre 995, non, peut-être côté la rubrique. Non, c'est pas contre eux, mais c'est juste du truc musique urbaine. Ouais, c'est ça qui me dérange aussi. Ça veut rien dire, musique urbaine. C'était Mano qui avait la musique urbaine. Ah non, un 995, c'est pas une qualité artistique, a priori, c'est plutôt la place qu'on donne au rap et qu'on mélange les différentes musiques. Pour que ce soit clair, j'ai aucun souci avec un 995, c'est juste catégorie musique urbaine, machin, c'est débile. Oui, mais t'as le même problème avec musique électro. Oui, ouais, voilà. C'est toujours le même problème aussi, c'est qu'à un moment, voilà, moi je pense qu'honnêtement, j'ai un peu plus positif que toi, je trouve qu'on vient en effet de tellement loin, qu'en effet, moi quand je vois des références, et t'en as quand même maintenant de plus en plus, on parlait du Before, mais de plus en plus dans les émissions, bah t'as des instrus de rap, hormis Téléfoot, parce que c'est un peu cliché, mais je regardais les trucs d'M6, si tu veux, et l'autre fois t'avais un truc Booba, Destiné, si tu veux, t'avais l'instru de Destiné qui arrivait, comme ça par hasard, donc de plus en plus, si tu veux, t'as cette culture maintenant, voilà, qui est là, qui est présente, et ils savent très bien maintenant en télé qu'ils ne peuvent plus faire autrement. C'est quand même une réalité, ils ne peuvent plus faire autrement. Alors c'est compliqué, c'est long, mais c'est quand même, moi je suis super positif, c'est quand même en train de bouger vraiment. Après, quand tu vois par exemple les interviews de Booba au Grand Journal. Oui, mais en même temps, Booba, attends, c'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, ça m'a porté encore préjudice ces derniers temps, si tu veux, parce qu'on m'a dit Fred clash Booba. Non, c'est faux. Il y a un moment, on me posait une question sur Booba au Grand Journal. Ouais. Quand à un moment Booba est invité, alors que le mec, honnêtement, je connais Booba, même si on se fréquente un peu moins ces derniers temps, mais. Je sais que c'est un mec intelligent, c'est un mec qui est brillant, c'est un mec intelligent qui a une vision, en tout cas. Quand à un moment où il présente, je te reprends son dernier passage au Grand Journal, c'était pas avec Denis, c'était avec Denisot encore à l'époque. Le précédent, oui. Le précédent. Ou un moment où il n'est même pas capable de reconnaître le président, qui est François Hollande, ne me dit pas ça, il devient une caricature de lui-même. Non mais c'est une réalité. Donc à un moment, qui se retrouve quelques temps après avec De Cône qui lui fait wesh wesh yo, les mêmes trucs habituels qu'on a depuis 20 ans, 30 ans. C'est ce que faisait Nagui en 95. Que faisait Nagui il y a 30 ans, si tu veux, wesh wesh yo. Et qu'à un moment, il n'arrive plus à rigoler de ça. Ou alors qu'il va dans Touche pas à mon poste et qu'on lui demande de danser la lambada ou je ne sais quoi, si tu veux. Sauf qu'à un moment, voilà, il le sait très bien. Il va en télé, il sait très bien ce que ça va être. Il sait très bien qu'en télé, ils veulent la petite image, le petit truc, le machin. Il n'est pas bête, il le sait, Booba. Et quand à un moment il dit bah, on ne reconnaît pas Hollande, pour moi il devient une caricature de lui-même. Mais après, c'est juste dommage que quand un rappeur va à la télévision, c'est toujours oui, vous venez d'un quartier, machin. Si on parlait un peu de musique. Tu vois, c'est le grand problème, c'est qu'en 2013. Et ça viendra. Ah oui, ça s'est passé en 95, mais en 2013, t'as envie de voir autre chose, quoi. T'as envie d'arrêter de sortir ces caricatures. Mais oui, mais ça viendra. Ça viendra, mais en 2013. Mais attends. 14. Voilà. Non, mais 2014, mais sauf qu'à un moment, Maître Gims, qui est un des plus gros vendeurs avec Stromae, enfin, l'année précédente, tu l'as vu combien de fois sur les plateaux de télé? C'est en prime time, hein, je parle, non? Bah voilà. Je te parle pas. Oui, mais en même temps, je reste positif. Je reste qu'à un moment. Je me dis aussi que le plus gros danger du rap en lui-même, c'est le rap. C'est-à-dire qu'à un moment, quand t'es invité en plateau, bah, montre que t'es cultivé. Joue le jeu. Et non, mais même pas ça. Oh, mais montre non, que t'es parce cultivé. Parce que tu sais, un gars, un chanteur comme Arnaud, il arrive, il est foncedé, on comprend pas un mot de ce qu'il raconte. Et tout le monde adore, et tout le monde dit c'est génial, non. C'est un poète, machin. Donc le problème, il est où pour toi? C'est par rapport aux rappeurs en eux-mêmes? C'est que les animateurs, ils ne connaissent pas cette culture, et pour eux, c'est yo-yo-yo, pourquoi t'as pas la casquette à l'envers, machin. Je suis un peu d'accord avec ce que tu décrivais là, c'est un peu
avec Johnny Drucker, c'était la même image, tu sais, c'est la voilà. même, quelque part, génération, ils se comprennent, on a l'impression que parfois, ils se comprennent pas, en fait. Tu vois, par exemple, le gars Bouba, c'est juste le monde et ça marche pas, quoi. Il a l'air un peu plus jeune, il y connaît pas forcément le hip-hop, mais il comprend que, en bon, fait, c'est pas que des caricatures. C'est pas forcément un connaisseur, mais il y a rien d'embarrassant quand il interviewe. Exactement. C'est déjà un grand pas, oui, mais en fait. Les amis, je vous rappelle juste un truc, l'audience. Thomas Touroud, qui est très bon et moi que j'aime beaucoup dans le Big Four, fait 100 000 téléspectateurs, le Grand Journal fait 1,7 million. Non mais après il faut... Non mais c'est une question, non, mais, question d'attitude. Non mais si je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, mais sauf qu'à un moment, si Booba avait la petite réplique marrante, même sur un Hollande qui sort une petite punchline comme il sait très bien les faire, bah ça passerait mieux qu'un mec qui est là comme ça, bras croisés avec sa casquette uncut et ses lunettes de soleil. Non mais enfin, en même temps, il y a des réalités. Il arrive dans un terrain aussi. Bah, il ne va pas. Il a été le premier à me reprocher en train de me dire je vais plus à Planète Rap parce que sur le cul de la chaise où je dois m'asseoir, il y a eu Kamini et Michael Youn. Enfin bon, quand tu vas à Touche pas mon poste, où il y a eu, si tu veux, toute la liste, et pareil pour le Grand Journal, bah tu n'y vas pas. Soit à un moment tu dis, je n'y vais pas parce que ces émissions ne me comprennent pas, ne me correspondent pas, mais à partir du moment où tu y vas, tu joues le jeu. Le temps passe super vite, malheureusement. Ouais. Malheureusement. On a un peu bossé le rubriquage, on a bossé le décor, il y a eu quand même un nouveau décor. C'est magnifique. Ça bosse un peu. Je vois Holder, Sylvester, Nas, Machiavelli, tout pas. On va un peu piocher dans vos souvenirs également. Mmh. Avec toutes ces années dans le rap, vous avez fait plein de rencontres. Ouais. Spontanément, Sindanou, la rencontre la plus marquante. Enfin, on a eu un paquet. On est obligé, mais on va piocher dans les souvenirs. Mais ça, c'est dur. Franchement, la plus marquante. J'en ai fait beaucoup. Un premier qui te vient. Le premier, c'est quand même le meilleur souvenir, c'est Big Noid. C'est un rappeur qui était avec Mobb Deep. C'est vrai. Hey, yo, Big Noid. Voilà. Il voulait pas faire d'interview à Queensbridge parce qu'il était grillé là-bas. Donc j'ai mis 4-5 jours à le pister. Il m'emmène dans un endroit pour jouer au billard avec mon photographe, c'est Bruno Pellerin qui a des locks, etc. Il me sort une bouteille de whisky de son sac. Il dit bon, on joue au billard, donc on joue. Bruno le bat. Donc il commence à être un peu fâché. Puis il dit mais c'est pas possible, ce white boy, il me bat, machin. Je dis ouais, mais bon, moi aussi je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, il nous emmène dans un petit bar dans le Queens. Et apparemment, c'est là où il avait ses habitudes. Et le DJ lui met toutes les chansons de Mobb Deep où il est dessus. Du coup, on s'est retrouvés dans le bar à chanter ensemble des trucs de Mobb Deep avec Big Noid. Et ça, c'est magnifique. Après, voilà, j'ai vu 50. T'as vu Jay-Z? J'ai vu Jay-Z. J'ai fait The Game au Dodger Stadium à LA. J'ai fait Jim Jones dans une boîte au Connecticut. Il y a eu une bagarre, on a dû se barrer. T'as plein de souvenirs en tout cas. Ouais, ouais. Fred. Bah, spontanément, mais après j'ai réfléchi un peu parce que je l'écoutais parler. Ouais. Mais c'est vrai que moi, une rencontre, mais alors après c'est peut-être un peu différent. Je me souviens de 2001 avec Alia, en juillet 2001, un mois avant sa mort, avant qu'elle prenne cet avion tragique, si tu veux. Donc c'était un moment particulier parce qu'en plus il y avait eu une concentration de promos ce jour-là, c'est-à-dire que toute l'Europe venait en France pour interviewer Alia au moment de la sortie de son dernier album. Ouais. Et elle venait après dans Planète Rap, donc elle arrivait un peu, tu vois, stressée, fatiguée, crevée, un peu comme tu connais les ricains, avec un entourage, ils étaient 15, le coiffeur, le maquilleur, machin et tout. Et puis finalement, au bout d'un moment, alors que c'était pas prévu, je lui ai dit, fais-nous un live, si tu veux. Elle nous a chanté 2-3 secondes du morceau I Refuse, qui est un morceau pour moi juste magnifique, si tu veux, qui est un morceau incroyable. Donc ça, c'est un souvenir. Après, en français, j'ai un souvenir avec IAM. Pour le coup, c'était à Marseille, on avait fait le lancement du Palais de Justice, l'album de Freeman et Karim Leroy. Karim Leroy. Et où toi, Yam, était venu. Et en fait, on était dans le quartier Balzins, qui donne sur la Canebière, c'est sur le grand boulevard de Canebière, de la Canebière. Et on avait réussi à bloquer avec 5-6 000 personnes. Tout le monde était dépassé, ça s'agitait de partout. Et ça reste un super souvenir. Mais franchement, c'est très compliqué de choisir. J'ai des moments pareils dans la cave avec Joey Starr, quand on allait faire les émissions avec BOSS, où c'était juste n'importe quoi. Ou à un moment, je me retrouve dans la cuisine de Joey et t'as Joey qui me sort un truc, un bidon où il y a marqué Ajax, un truc. Il me dit, tiens, bois. Et il commence à me servir ça. Je fais, non, mais il y a marqué Ajax. Qu'est-ce que tu fais? Bois, je te dis. Donc, je goûte et je sens que c'est du rhum, coco, si tu veux. Il me dit, mais tu comprends, je suis obligé de le planquer là-dedans parce qu'il me pique tout, là. Ben voilà, t'as plein de souvenirs, des moments de vie. En fait, moi, c'est ces moments de vie voilà, qui sont juste incroyables. On a pris quelques noms, on aura pu en prendre un paquet d'autres. La première qu'on a prise, c'est Caris. Mmh. Un peu votre avis en quelques mots, très rapidement. Caris, ça évoque quoi pour vous? Caris, c'est le travail qui paye. Hein.
Moi, je l'ai rencontré avec Bouscapé quand il sortait sa dernière mixtape. C'était de Héros. Ouais. Ah, ouais, ouais, avant l'album. Il nous a fait un freestyle et là, je me suis dit, oui, parce qu'en général, je suis là, ouais, bon, rap français. Le Bouscapé, ouais, ouais, c'est extra fun. Et là, je l'ai vu, je dis, ah ouais, lui, il a quelque chose, quand même. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un mec qui a un charisme, pour le coup, assez incroyable. Et c'est vrai que le Planet Rap qu'on a fait là, récemment, il y avait une. Je me souviens du premier soir où je sentais un peu, peut-être que c'était lié aussi en effet au truc Booba, l'univers, machin, etc., où j'ai senti un peu un charisme, peut-être même d'ailleurs à ce qu'il voulait représenter, etc. Et puis au bout de la semaine, voilà, on a réussi quand même à faire quelque chose, à parler de plein de choses. Non, non, vraiment, moi j'ai un super souvenir et très talentueux. Mec très talentueux, d'ailleurs, je pense que tu peux le voir aussi, il y a une multitude maintenant de petits charismes qui arrivent, ouais, qui sont assez incroyables. C'est-à-dire que, mais tout le monde n'a pas en effet son talent avec la façon d'assembler les mots, l'univers et puis le son aussi qu'on peut saluer, hein, l'équipe de thérapie qui font un boulot juste incroyable autour de lui. Quoi. C'est parce que c'est aussi un marqueur du succès, quelque bien part, sûr, d'avoir des petites photocopies de toi en moins bien. Ouais. Booba a bien vécu ça. Ah bah, et il le vit encore. Autre personnalité ? Vas-y. Laurent Bounneau ? C'est le patron du rap français, hein, qu'on le veuille ou non. Voilà, rien d'autre à rajouter. C'est lui qui fait des faits. Qui fait la météo, la pluie, le beau temps, ouais, du rap français. Vraiment à ce point-là, tu penses ? Même encore aujourd'hui, en 2014 ? C'est dur de. Tu peux réussir. Il y a des exemples quand même de réussite. Tu peux m'en donner 5 ? Non. Voilà. J'aurais pu t'en donner 2 ou 3 peut-être, mais tu pas vois, ça. En 20 ans de rap, donc c'est lui le patron. Après, on aime ou pas, mais au moins, il faut lui laisser ça. Mais les exemples que je t'aurais donné, je pense que c'est des exemples relativement récents. Donc peut-être qu'il y a peut-être des modèles qui peuvent se créer sans forcément passer, même si Skyrock reste un média incontournable, peut-être qu'on peut réussir sans passer forcément sur Skyrock. Oui. Mais demandons 5. Non, mais encore une fois, les exemples sont récents. Peut-être que d'ici 2015. Même les exemples récents, c'est qui ? Je sais pas. Après, encore une fois, quand on parle de succès, c'est un succès, je pense, qui sera mesuré. Il faut mettre ça dans le contexte. Mais je sais pas, un groupe, on parlait tout à l'heure, ça me vient spontanément, en 1995, ils ont commencé à avoir un peu de succès avant de passer sur Skyrock. Ouais. Après, c'est un succès qui est mesuré. C'est pas comparable avec Maître Gims ou même La Fouine. Mais voilà, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres. Mais je pense que tu peux exister aussi, voilà, sans Skyrock. Je sais pas si. C'est plus dur. C'est évidemment que Skyrock est un accélérateur de succès. Oui, ça c'est clair. Est-ce que quelqu'un comme Niro passait sur Skyrock ? Je crois pas. Si, peut-être. Il est passé, on avait fait un Planet Rap, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de morceaux en playlist. Mais alors, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal charbonné, qui a forgé des produits. Je pense qu'il y a des. Mais bien sûr. Il y a un peu d'effort. Et puis c'est vrai qu'avec le net, depuis ces dernières années, t'as quand même aussi. Voilà, t'as quand même le boulot pour moi qui est fait sur le net, avec cette partie buzz, bon ou mauvais, mais le buzz qui existe autour d'un artiste. Après, t'as la marche Skyrock, et puis après. Allons plus loin, en télé, etc., quand les portes des télés seront ouvertes. Et Laurent Bounneau, alors ? Mais moi, c'est particulier. Moi, Laurent, c'est, voilà, je ne peux pas en parler comme on parle Sindanou. Voilà, moi, Laurent, quand je suis arrivé en mai 92 à Skyrock, c'est toujours été le même Laurent. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu de différence. Un mec qui peut s'exciter, s'énerver, qui peut énerver, d'ailleurs, qui peut être très énervant, et tout ça. Mais qui m'a. Honnêtement, qui m'a toujours aidé. Voilà, c'est quelqu'un. C'est très cliché de dire ça, mais c'est. C'est quelqu'un, voilà, de paternel pour moi. Moi, j'étais un gamin, j'avais 18 piges quand j'arrivais à Skyrock. C'est un mec qui m'en a mis plein la gueule au début, qui me calcule à peine, quoi, tu vois, mais en même temps qui m'a fait confiance et qui m'a permis de faire des émissions, de faire mon émission avec Tabata Cash en 94 et de me faire confiance à chaque fois. Donc après, je vais dire ça, les gens vont dire « Ah, mais bouffon, il suce, machin, etc. » Mais oui. Je peux que respecter. Voilà, c'est une figure paternelle pour moi, Laurent. C'est quelqu'un, voilà, qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours protégé, qui m'a toujours poussé, qui m'a toujours dit « Voilà ce qu'il faut faire, voilà. » Et qui a toujours été, voilà, quelqu'un qui a toujours été très protecteur envers moi. Donc j'ai un regard différent que peuvent avoir les gens envers lui, quoi, parce que... Il y a une relation amicale, ouais, enfin, qui dépasse... C'est mais plus qu'amicale, c'est quelqu'un de... Voilà, vraiment une figure paternelle. Voilà, j'étais un gamin quand j'arrive à Skyrock, j'ai 18 piges, je sors de l'adolescence, si tu veux, etc. Et voilà, c'est un papa qui va me prendre sous son bras, qui va me dire, voilà, et qui en même temps va me mettre des torgnoles aussi, hein, parfois. Hein. Je peux dire, je m'en suis pris des sacrés, je m'en prends encore parfois des sacrés. Mais voilà, on a un rapport très fort. Donc voilà, te répondre sur lui, c'est un peu biaisé, forcément. Non, mais ta réponse est... Dernière personnalité, du coup, on aurait pu en prendre plein une nouvelle fois. Hein. Dernière personnalité, Cut Killer, spontanément. Grand DJ, hein. Ouais. Tu
Non, et puis le mec qui a compris dès le début le côté business aussi, il faut quand même pas se leurrer. La partie mixtape, quand un moment il arrive et qu'il fait ses mixtapes, parce qu'il faut quand même se souvenir, il y a Dynasty et Cut Killer, c'est le petit gamin voilà, fasciné par Dynasty qui va voir comment Dynasty mix et qui en même temps se dit mais putain, il y a quelque chose qui se passe autour de cette culture, bah essayons au moins de le concrétiser businessment parlant. Et c'est pas tout le temps mal de dire il faut faire du business, tu vois, c'est pas tout le temps mauvais de dire il faut faire du business. Et ça, Cut l'a très vite compris, c'est un mec très visionnaire, Cut. Puis, tu vois, c'est un mec talentueux. C'est des grands DJ, tu vois, il y avait lui, il y avait Issa, il y avait Posca, il y avait une époque comme ça où t'avais plein de DJ. C'est vrai. C'est très en avant, ils sortaient en plus des projets. Ouais, c'était des projets. Il y a les mixtapes quand même de Cut. Là, pour le coup, je pense que. Alors, peut-être que les plus jeunes d'entre nous s'en souviennent pas, mais les mixtapes, c'est l'époque des cassettes. T'as des mixtapes, pour le coup, tu vois, on parlait de Lunatic, enfin, on parlait de Booba tout à l'heure, mais il y a une mixtape Lunatic qui est juste. Tu vois, enfin, il a créé des choses, quoi. C'est un mec qui a créé des choses à partir de titres qui existaient. Bon, après, il était aussi producteur, mais à partir de morceaux qui existaient, il a créé quand même une marque, il a créé un style, il a créé un. Voilà, bon, c'est. C'est clairement l'histoire du rap français. Oui, oui, c'est un mec voilà, très brillant. Quoi. Une bonne nouvelle, c'est que normalement, il va être assis à ta place dans 15 jours. Ah bah écoute, clairement. Cut. Voilà. Bon, bien, le temps est passé super vite. Avec un petit coussin, parce que c'est surtout à notre âge maintenant. Le temps est passé super vite, je pense qu'on n'a plus du tout de temps. Non, par contre, on va vous demander, on va se quitter, on a l'habitude de se quitter sur un morceau clippé, spontanément qui vous vient comme ça. L'un ou l'autre, un morceau. Public Enemy, Fight the Power. Public Enemy, Fight the Power. Est-ce que tu valides, Fred? Ouais, bah, supra validé. Parfait. Supra validé, oui. Public Enemy. Bon, merci du coup. Ouais, on a passé un super moment avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Findanou. Merci Fred. Bah, merci à vous. Merci Findanou. Merci Fred. À la radio. Bah oui, c'est bon. On va parler des petits CD. C'est fini là. Et plus de clash, c'est bon, c'est terminé. Mais attends. J'ai fait une interview. Mais juste avant de commenter. Non, et puis même, je te dis, je pense qu'en tout cas, Findanou comme moi, on n'est pas dans le clash. C'est-à-dire qu'on n'est pas artiste. Vous êtes des journalistes, bien sûr. Ou des animateurs. Ou animateurs, journalistes ou animateurs. On ne peut pas être dans un clash. Quand on parle de choses. Il faut arrêter de voir le clash quand je parle de Booba comme j'en ai parlé avec vous. C'est pas un clash, c'est un constat, c'est mon avis. Peut-être que lui sera pas d'accord, mais c'est un avis. On pourrait pas être dans le clash sauf demain, si tu fais comme Benzino, tu te mets au rap et que tu te mets à clasher. Il n'y a pas de danger. Vous avez deux points en commun, c'est que vous êtes des passionnés et que vous allez sur l'abécédaire du son dans les deux cœurs. C'est vrai. On va se quitter là-dessus. D'ailleurs, j'y vais tout de suite de ce point. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans deux semaines avec. Peut-être Cut Killer, sûrement Cut Killer. Et un autre super invité. Merci beaucoup, à dans deux semaines, à très vite. Bye. Merci à vous, ciao. Salut. Playback.